imbécile. Ailleurs, avant de voir comment ça va se passer là. Ok. Là, ce qui demande un peu, c'est de voir ce que ça donne. Ok. So, j'espère que ça va aller, que les gens sont déjà connectés. Ok, voilà, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ça risque d'être du bon là. Les gens qui ont dit que j'ai. This is what it is. Happy birthday. Hello. Hey! Pam 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 pam. Hello. Hey, hey. Ah, vraiment. Partagez. Ah, vraiment. Trop fier de moi, trop fier de vous, trop fier de tous les Camerounais. Mesdames, messieurs, chers camarades, bonsoir et ou bien bonjour d'après votre position géographique et bienvenue sur Martin Tajo officiel. Je suis là. Oui, ça va très bien. Salut cousin, je n'appelle pas ton nom. Salut, ça va très bien. Je me porte parfaitement bien. Je me porte à merveille. Partagez ce live et bien entendu à partir de 500. Nous allons faire rapidement une mise au point. Sur la bagarre et la bataille rude que nous avons livrée à l'hôtel intercontinental de Genève avec la garde rapprochée de Biapol, Batemi Vondor. Je salue Odette pour partager rapidement, hein, bien entendu. Et en passant, j'ai assez d'appareils pour faire des lives, donc c'est pas seulement le portable. Je fais le live sur un, j'ai un autre, donc rien ne peut nous empêcher. J'ai mis des moyens sur pied pour avoir des appareils plus sophistiqués et de faire des lives. Voilà, merci. Voilà, j'ouvre déjà grandement pour essayer de saluer tous mes abonnés, pour essayer de saluer tous les artistes, les amis et camarades combattants qui se connectent déjà rapidement pour nous suivre là. Voilà. Je salue ici Patrice, je salue Marie, je salue Zomo, je salue également Wako, je salue Landry, je salue Lo Falacha, je salue Charlotte, oui je me porte bien, salut Marie, salut Jean, salut Léonard, je vous avais dit je prononce seulement vos prénoms, hein. Voilà, je n'ai pas besoin de prononcer vos noms en live. Michael, je salue Alain, je salue également, je salue aussi qui Raoul, je salue Paul, voilà. Je salue Salvador, je salue également Sylvie, je salue Tamo. Et bien entendu, je peux danser, je me porte très bien. Voilà, c'est ça, partagez maintenant. Pour ceux qui ont dit que Martin Tajo était à l'hôpital et qu'on a broyé les dents, que le service de renseignement ou le service de sécurité des pauvres via Mourin, je ne sais pas à quoi dire, tabasser à mort, non, c'est faux, c'est faux. Partagez au max et nous allons faire la mise au point. Mais avant cela, je salue également Charles, je salue Marie, je salue GG. Merci. Et je demande aux administrateurs de ne bloquer rien que les têtes de mort. Laissez Attangan partager notre live en paix. Laissez également Gongo partager notre live. Laissez également tous les 30 éléments de la garde rapprochée avec qui nous avons livré la bagarre. De partager aussi le live parce qu'ils sont en direct. Je prends d'abord un peu d'eau. Hein. Tu bois quoi? Non, de l'eau, hein, de l'eau pure. Partagez rapidement. À partir de 500, nous allons lancer avec la mise au point. Normalement, on devait danser un peu comme toi avant de commencer. Hein? Non, c'est pas normal ça. Attendez là. Attendez. On va danser un peu. On peut pas arrêter comme ça. On peut pas arrêter comme ça. Voilà, voilà. On l'arrête. Et puis, on essaie de voir s'il y a un petit truc de tout à fait. Hé, les gars!
un peu. On veut qui? On veut qui? Je salue Berto, je salue Véronique, je salue Kandou, je vous salue, hein, je vous salue. Kando notre président, voilà. Ne vous dérangez pas, hein. J'ai déjà lavé le blanc que j'ai porté à l'hôtel continental. J'ai déjà lavé, hein. J'ai plusieurs blancs, donc j'ai déjà lavé l'autre là, ne vous dérangez pas. La garde est rapprochée de Bob, elle m'a croqué. Regardez, il m'a croqué. Regardez. Regardez. Ils m'ont croqué. Regardez. Regardez. Quand notre président, le peuple t'a choisi. Quand notre président. On casse les rangs avant de lancer. Je salue Rosa et Razel, je salue Cyril, je salue Aïssi, je salue tout le monde, je vous salue vous tous, je salue Philo, je salue aussi qui encore, j'ai oublié qui, je salue Pierre, je salue Huguette, mais j'ai à danser non, 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 il y a trop dansé, bon ok, on danse encore 2 minutes, regarde. Les Tontinas dansent bien. Et les gars, même pour faire l'affaire là, ils sont forts. Quand notre président. Voilà, Jacques Chouanan depuis les États-Unis. Voilà. Repartagez encore. Et t'as choisi. Quand notre président. Vous savez, quand ils vont m'attendre en boîte la nuit, ils ne vont pas me voir. Et c'est pour moi à la maison. Je pète sur Paul Biya, je chie, je lance les excréments sur sa garde présidentielle. Voilà. Voilà. J'arrête la musique et on lance, mais on commence maintenant. Je vous rappelle que je fais ce live ce soir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la toile. Et il y a plusieurs qui n'étaient pas là avec nous lundi et en tout cas qui m'a dit, j'allais dire, et qui ont, voilà, ils ont pris un peu les informations à bout de fil, en saut de puce et puis ils ne maîtrisent pas réellement. Bon, parfois je comprends aussi les journalistes qui sont dans la toile et ils sont obligés de publier. Certains font état du fait que à l'hôtel intercontinental, nous étions 40 et que les services, la garde rapprochée des Paul Biya était au nombre de 15 ou 20. Non, c'est faux. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. Mais je vais y arriver. Avant d'y arriver,
Ahmed, comme tu es déjà là, je t'ai dit, tu as les têtes de mort, tu essaies de les bloquer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à faire. On a un grand live que nous allons faire. Et ce live que je dois faire, organiser, je vais l'organiser avec tous les 11 personnes qui étaient à l'assaut mardi. C'est-à-dire tous les 11 personnes. Lundi soir, je vais organiser un live spécial, une conférence spéciale pour toutes les 11 personnes. Je ne fais pas dans la récupération. Martin Tajou et les éléments, certains éléments de la base suisse, l'un et les autres, nous avons tous organisé l'assaut et nous avons fait l'attaque, l'action que vous avez vue. Et je ne fais pas un live sans ces gens-là. Je vais faire juste une annonce. Mais lundi soir, je vais annoncer, je vais faire un flyer. Lundi soir, je ferai une live avec tous ces gens-là. Pour que chacun, pour que vous voyez chacun. Voilà, c'est une action collective. C'est une action de 11 personnes, 5 hommes et 6 femmes. Maintenant, dès que j'ai dit ça, il faut qu'on soit un peu clair. La garde présidentielle de Port-Bien n'est rien. Hein. Je pensais que c'est Port-Bien qui était un torchon. Mais même sa garde présidentielle, c'est des papiers. Hein. C'est des papiers, des vauriens. Mais Port-Bien, si ceux qui t'entourent sont comme ça, je suis désolé. Si ceux qui sont chargés de faire ta sécurité, nous, on les pénètre. Ça veut dire que ceux qui sont au Cameroun en train de travailler autour de toi, là, ils ont quelque chose dans la tête. Je ne pense pas du tout. Je ne pense même pas. Même pas. Appelez c'est un Pombia. Pombia. Donc, en tout cas, je vais vous dire quelque chose. Pour les journalistes qui m'ont envoyé les formulaires à remplir, autre chose, je leur ai donné rendez-vous aujourd'hui. Je leur ai dit qu'ils feraient la lettre ce soir. Nous sommes arrivés à l'hôtel. Je ne dois pas vous donner comment la stratégie que nous avons utilisée pour pénétrer, c'est impossible. Parce que cette stratégie, on peut l'utiliser 1000 fois sur Port Bien. Ça va passer 1000 fois parce que c'est des tonneaux vides. Ces mecs ne réfléchissent pas. Je peux vous dire. Ce qui vous fait croire au Cameroun que Port Bien est fort, c'est parce qu'ils ont les armes au Cameroun et les institutions. Ils ne sont pas forts. Je ne donne donc pas cette stratégie parce que c'est une stratégie qu'on peut utiliser 1000 fois et ça va passer 1000 fois pour pénétrer l'hôtel et tous les bâtiments où Port Bien va se retrouver. Mais nonobstant cela, comment on a attaqué? Nous sommes arrivés à l'hôtel vers 12h10 et 12h15 comme ça. Voilà. Vers 12h10, 12h15. Nous sommes entrés à l'intérieur de l'hôtel intercontinental avec toutes les barrières que les gars avaient formées. Port Bien avait mis presque 40 éléments, au moins 30 à 40 de ces éléments. Il y avait une barrière dehors, une autre barrière devant l'entrée même, devant la porte d'entrée. Et puis à l'intérieur, puisque Paul Bia voulait déjà sortir, dès qu'on nous a dit que voilà, il est en train de vouloir sortir déjà, c'est quand j'entre que je dis c'était vrai. Parce que dès que j'entre, je vais aller vers les escaliers, aller vers l'ascenseur. Les gars, ils avaient à positionner les gars vers les ascenseurs, hein, vers les escaliers pour sortir et vers l'ascenseur. C'est pour ça que vous avez vu. Les trois gars qui m'ont arrêté, avec qui on était en train de bagarrer, et celui qui m'a pris par lâcheté, j'ai dit bien une lâcheté, il faut bien le dire. D'ailleurs, pour ceux qui sont en train de bavarder, je vous mets au défi. Je vous mets au défi. Pour ceux qui sont derrière les claviers et partout, bavard, oui, on a raclé les pieds de Martin Tajou, on a chandalisé, on a fait ceci. Je vous dis ceci. Si c'est vous qui étiez là-bas, vous ne devez même pas déjà même pénétrer pour commencer. Vous comprenez, non? Donc, comprenez toujours que c'est très facile de rester derrière et parler, mais ce n'est pas facile de prendre les responsabilités. Je dis bien, je ne dis pas tout le monde, bien sûr, il y a des courageux. C'est vous qui étiez derrière là. Je mets quiconque au défi. On ne devait pas avoir la possibilité de les affronter comme moi. Moi, je suis en face de quatre gars, mais ils me surprennent par derrière. Vous pensez qu'ils fassent, je fais comment? J'ai tout fait pour me relever. J'ai rapidement, parce que je savais que si je me couchais au sol, c'était fini. Les gars, ils allaient me finir parce que j'ai un de mes éléments, Sibafo. Parce qu'on a coupé vite la vidéo. Hein. Il y a eu d'autres trois éléments aussi sur Sibafo. Les gars sont descendus là sur lui. Sauf que on a eu certains de nos éléments, ils sont sortis par derrière. Ils l'ont assommé. Donc nous, on a touché également la garde présidentielle. Ce qu'on vous dit là, la malchance que nous avons, c'est que nous n'avons pas une vidéo de moins une minute. Parce que c'est lui qui a pris le téléphone pour filmer. J'avais fait la stratégie de telle façon qu'on n'allait même pas le voir. Mais malheureusement, donc ça veut dire qu'il est entré après que nous soyons entrés, de telle façon qu'on ne sait même pas s'il était avec nous en fait. Vous voyez un peu. Donc il était là juste là. Moi je ne dois pas tout dire. C'est le fait que je lui ai dit au téléphone, personne ne devait même savoir qu'il était avec nous. Il devait même se cacher. Mais dès qu'il a lancé le live, il y a un autre garde parce que Bia avait positionné tellement de gens qu'il sortait un peu de partout.
Parce que quelqu'un est resté, quelqu'un est passé par derrière, lui donner une clic à toi directement. C'est pour ça que vous avez vu que dès qu'il a lancé le live, directement ça s'est coupé. Directement ça s'est coupé. Il a lancé le live maintenant au moment où j'étais avec trois gars du bi de la garde rapprochée. Vous voyez un peu? C'est pour ça dès qu'il lance. Mais quand il lance, j'étais déjà dans le viseur du live. Et vous avez vu, paf, dès qu'il lance, 7 secondes, on l'a pris par derrière par une clé 14. Directement, le portable est tombé. L'autre a récupéré. Et nous avons tout fait pour récupérer encore le portable. Mais parce que on était... Voilà, je veux dire qu'on était peu. On était peu, mais certes peu. Attention, on était certes peu. Mais ce qu'on a fait là-bas, je pense qu'on était même nombreux, on ne devait pas réussir à entrer. Avec la stratégie que nous avions. Si nous étions nombreux le jour-là, si les gens étaient vraiment venus, si les activistes étaient venus, mais je ne veux pas, vous savez que je n'aime pas jeter les gens à la pâture. Il y a beaucoup de choses que je voulais dire, mais je ne peux pas les dire. Mais je dis seulement ceci. Si les activistes, si certains étaient venus comme c'était prévu, c'est que le groupe qui est entré, on allait laisser un groupe dehors. Ça allait être la base arrière. C'est-à-dire que quand on était dedans, là, ils devaient maintenant aussi nous joindre après. Mais voilà, le peu qu'on a eu, on a essayé de mettre nos stratégies sur pied, que je vais toujours jamais dire, parce que ces stratégies, je reprends, ces stratégies, on peut les répéter au moins 1000 fois sur Paul Bia. Ça va passer parce que c'est des trouillards. Donc voilà ce qui s'est passé. J'ai dit une chose. Le fait que la vidéo n'a pas duré, c'est parce que la stratégie de le gars, il n'a pas bien appliqué. Et dès qu'il allait en live directement, on l'a pris. Un gars l'a pris à la clé 14. Mais il s'est en sorti après. Hein, parce que ça, c'était à cause de la vidéo. Et le fait que les gars a tout pris le téléphone, c'est parce qu'ils voulaient supprimer la vidéo. Les éléments de la garde présidentielle, parce qu'on leur a mis en difficulté, ils ne veulent pas comprendre qu'après, la vidéo se trouvait dehors. Ils ne veulent pas comprendre ça. Et parce que si la vidéo se retrouve dehors, vous allez voir comment nous, on leur a mis en difficulté. Donc les gens voient peut-être parce qu'on a raclé, par lâcheté, une bande de lâches. Voilà des gros gars gaillards musclés qu'on a choisis. C'est-à-dire qu'il a choisi parmi sa garde rapprochée les plus violents, les plus drogués, les gens qui ont pris du cannabis. Ils avaient une overdose de tramadol. Mais on s'en fout, nous on a vu que de l'eau. Vous me voyez en face de trois personnes, une autre personne me surprend par derrière. Vous, les gens sont derrière les clavés en train de bavarder. Les gars, je vous dis ceci. S'ils ont tout fait pour m'agresser, il y a au moins 5 qui sont venus après à cause de ce téléphone. Mais à un moment donné, je ne pouvais plus. Je me suis retrouvé avec partout en train d'échapper les coups de poing, en train de bloquer les coups de poing. Je bloque ici, il veut me tourner, il y a l'autre, je bloque. C'est-à-dire, mais tout ça pourquoi? Parce qu'au moment où nous on entre, Paul Bia descendait déjà. Tout était déjà garé, la limousine était déjà garée. Et tout, ils avaient placé comme ça. Dès que l'ambassadeur est entré, on a donné le coup d'envoi. Directement, on a aussi engagé. On est entré. Paf. Et quand l'ambassadeur est entré, il devait être dans le service protocolaire de Paul Bia. Donc Paul Bia fait, il a remboursé chemin avec Bancu. Et quand j'entre, Paul Bia, c'est lui que je cherchais. C'est lui que nous cherchions. Dioko Christian était juste devant moi. Il a pris la gauche, j'ai pris la droite. Pour que s'il loupe là-bas, on ne le prend pas ici. Ou un peu. Donc on était d'abord devant comme ça, avec les autres derrière. Ok? On savait que Paul Bia va sortir. On savait qu'il devait sortir. Donc, si vous voyez la violence avec laquelle la garde présidentielle nous a... La garde présidentielle a engagé, la violence, la deux qu'ils ont mis dans la violence, c'est parce que Paul Bia était déjà là. S'il était même encore seulement dans sa chambre en haut, il était au cinquième étage parce qu'il a logé au cinquième étage. S'il était encore dans sa chambre, ça n'allait même pas être comme ça. Le gars était déjà vers les escaliers et descendait. Bon, il y a une chose. Donc, j'étais en train de vous dire directement, on est attaqué par la garde présidentielle et par la grande, la garde, ce qu'ils appellent la garde rapprochée. Et voilà. Nous étions 11 personnes et les éléments de Paul Bia étaient au moins une trentaine. Je dis bien, c'était une trentaine de personnes, les éléments de Paul Bia. Les éléments étaient au moins une trentaine parce que c'est impossible que. Nous, on entre, on sait qu'on a laissé, voilà, on savait qu'on a laissé certains dehors, mais le genre, ceux qui sont sortis déjà à l'intérieur ont largement dépassé le nombre de ceux qui étaient dehors. Oh, quand nous sommes, on a réussi à déjouer toutes les barrières et entrer, on savait que même si c'est ceux qui sont dehors qui entrent, ils ne vont pas nous dépasser.
Ils ne vont pas nous dépasser. Ils ne vont pas nous dépasser. Donc, c'est ceux qui étaient dedans, plus ceux qui étaient dehors, qui sont venus, ils étaient nombreux. Mais on leur a mis en difficulté. Maintenant, pour la clarté des médias, non, ne faites pas l'inversion des faits. Nous n'étions pas 40, nous étions 11. Et lundi, je vais organiser cela lundi à 18h. Lundi à 18h, je vais vous présenter tous les 11 personnes. Et je dis bien les 11 personnes qui ont fonctionné comme une chaîne logistique. Vous savez que dans la chaîne logistique, chaque maillon, chaque acteur tout le long de la chaîne logistique est un maillon essentiel sans lequel la logistique ne peut pas fonctionner. Si le maillon la coupe, tout le système s'arrête. Donc ce que nous on a mis sur pied, si Martin Tage n'était pas là, ça n'allait pas aller. Si Njoko Christian n'était pas là, ça n'allait pas aller. Si Sibafo, si Alain de la Suisse, si les deux femmes qui ont réussi à neutraliser un élément de la garde présidentielle n'étaient pas là, c'est que l'affaire ne devait pas marcher. Donc c'était la synchronisation. La coordination, c'était un mouvement d'ensemble. Donc, je tire un coup de chapeau à tous ces cinq gars de la base suisse que nous avons rencontrés, que nous tous nous avons mis sur pied la stratégie. Je leur tire un coup de chapeau. Je leur tire un coup de chapeau. Oui, je ne refuse pas que nous sommes arrivés. Ils étaient fiers de voir que Martin t'a joué là. Ils étaient fiers. Bah, il y a un courage qui est revenu. Oui, ils vont vous expliquer. Non, gars. Vous êtes là, on va t'attaquer, on ne laisse pas. Eric, non, calmez-vous. C'est doucement. On ne parle pas. Quand moi je pars, est-ce que moi j'ai fait les lives, non, les gars? Est-ce que j'ai dit que je partais, non, les gars? Ouais, la vie est aussi simple, non? Ne m'attaquez pas aussi. Vous voulez qu'il fasse comment? Voilà pour Bia qui va partir maintenant, non? Mais ça ne va pas empêcher que samedi on soit là. Samedi on doit être là. Voilà que TV5 a parlé, France 24 a aussi parlé. Je vais mettre la vidéo sur ma page. Donc au lieu de peut-être faire autre chose, écoutez ce qui est en train de se passer. Tous les médias suisses ont en parlé, non, les gars? Vous aussi. Comment on allait what jusqu'à samedi, non, les gars? Quand même. Bon, ok, peut-être j'ai commis l'erreur. Excusez-moi. Hein. Je m'excuse, je m'en excuse. Parfois, je sais que chez les Camerounais, quand on est humble, ça pose problème. On prend l'humilité comme une faiblesse. Mais bon, je m'en excuse pour tous ceux qui me critiquent sur ce que peut-être je ne sais pas. Mais bon, je m'en excuse. Je m'en excuse à demi parce que je loue l'effort de tous ceux qui ont accepté le faire ce mardi. Voilà, je loue leur effort. Alors, qu'est-ce qu'on va dire à la garde présidentielle? On va dire honte à vous. Honte à vous qui êtes incapable de vous défendre devant 5 hommes et 6 femmes. Honte à vous. Si c'est ça que Pobia appelle la garde présidentielle, je pète sur votre tête. Si c'est ça qu'il appelle la garde rapprochée, si c'est avec ça que vous intimidez les Camerounais là-bas à Yaoundé, vraiment, je suis désolé. Chaque moment, lorsqu'on est en train de bagarrer, les gars font semblant comme s'ils veulent retirer l'arme. Et dit que, jusqu'à son ami, dit que non, laisse. Vous voulez influencer qui? Qui? Pourquoi on n'a pas retiré l'arme? Bancui, pourquoi tu ne leur as pas demandé de retirer l'arme? Pourquoi? Je ris. Voilà. Oui, salut Magina. Salut également Anka. Salut. Voilà les gens, les petits salopards qui sont au Cameroun, des petits cancres, des petits dictateurs, des petits monarques qui s'illustrent à travers le temps par une inculture criarde, par une bassesse intellectuelle, qui viennent, ils choisissent parmi sa garde, ils choisissent parmi leurs gardes rapprochés les plus givrés de cervelle. Parce qu'ils ont le muscle et pensent que c'est la force. Non. Parce que l'efficacité, c'est dans la tête. L'efficacité, c'est dans la tête. Ce n'est pas dans le bruit et dans la force. Je mets quiconque au défi. Depuis Bancui qui était là, et puis toute la garde rapprochée de Paul Biya. De me dire comment nous on a fait pour entrer. Ni les citoyens, ni les Camerounais, ni vous ne savez. Personne de vous. Vous vous rendez compte que nous, on défie deux barrières de la sécurité présidentielle et on entre à l'intérieur de l'hôtel intercontinental. Vous vous imaginez? Et puis ils se disent être de la sécurité présidentielle. Ils se disent qu'ils sont trop forts, trop compétents. Ils se disent qu'ils sont forts et compétents. J'ai dit ce soir, ce n'est pas un live en tant que ça. Je vais continuer. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est que nous avons bagarré pendant une quinzaine et une vingtaine de minutes avant que la police suisse est arrivée. Voilà. Et il n'y avait aucun blessé de notre côté.
n'y a pas de blessés. Au contraire, du côté de la garde présidentielle, ils sont partis avec deux éléments qui saignaient. Je vous ai montré ma blessure parce qu'ils m'ont taclé par l'acheter. Regardez. Regardez ici. Je sais que la luminosité ne donne pas trop bien. Regardez un peu. Vous allez voir là. Un instant. Là. Vous voyez. Je suis tombé une fois. Je suis tombé une fois. Et d'autres fois, ils me bottaient. Quand je suis avec une personne, d'autres qui me bottent avec... parce qu'ils avaient porté les vestes et puis les chaussures, monsieur. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ils avaient porté les chaussures, monsieur, comme ça. Bon, je vous connais. Que personne ne vienne dire que c'est lui qui achète mes chaussures. Parce qu'il y a d'autres qui me nourrissent déjà. C'est quand même terrible. Voilà. Regardez. Il y a ça. Ils portaient les chaussures comme ça. Donc, et ils chouquaient. Hein? Ils chouquaient. Ils n'ont même pas honte. Quatre gros gars sur une personne seule. Et c'est comme ça qu'ils faisaient. Dieu soit loué, on était trop tactique. Donc, des fois, quand ils se concentraient sur une personne, d'autres quittaient. Certains de nos gars leur prenaient aussi par la stratégie. Quand ils abandonnent pour aller sur une autre personne, on continue. C'est comme ça que, en fait, c'est comme ça que, c'est comme ça que la bataille se fait au niveau de l'hôtel intercontinental. Comment est-ce que les gars, je savais qu'ils me connaissaient, donc voilà. Je ne pouvais pas me parvenir de haut n'importe comment. Ça a été très rapide. Je savais qu'il me connaissait. Puisque dès que j'en... Matin, t'as joué encore toi. Matin, t'as joué encore toi. Et puis, il y a une phrase là qui est venue dans, dans mes oreilles. Mais les gars, ils sont là. Un peu comme si... En fait, les gars savaient qu'à chaque moment, on allait attaquer. Mais ils pensaient plutôt à samedi. Les gars s'attendaient à samedi. Puisque la phrase... Et d'ailleurs, j'en suis sur lundi. Quand les gars, les éléments avec qui nous étions là, ils vont intervenir dans le live. Vous allez voir, ils vont répéter ça. Mais les gars, ils sont là, c'est terrible. Non, que c'est, non, les gars sont là, c'est pas possible. Mais les gars sont là. Non, attends, je sais pas qui a dit ça, mais il y a quelqu'un qui était posé, placé sur, sur l'escalier quelque part. Mais les gars, c'est pas possible, ils sont là. Mon ami, je donne le respect à Christian Djoko. Je lui donne chapeau. C'est-à-dire quand il tape à droite, le gars passe par là-bas. Le gars a failli même agresser le service en ce moment. Il est où? Qu'il est où? Non, 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 je vous assure, je vous assure. Et vous, quand vous regardez la vidéo, jusqu'à il y a les gens qui m'ont écrit pour dire, mais Martin Tajou, pourquoi vous n'avez pas filmé? Les gars, vous voyez ce qui se passait là? Vous pensez qu'on pouvait filmer? Vous pensez que quelqu'un pouvait filmer ce que vous êtes en train de voir là, excusez-moi pour le lapsus. Ce que vous avez vu là, quelqu'un pouvait filmer ça même une minute, quelqu'un pouvait. Non, il faut qu'on soit clair à un moment donné. Il faut qu'on soit clair. Parce que vous êtes en train de penser que c'était le lait qu'on donnait là-bas. Ce n'était pas la bagarre du quartier. Les gars sont violents. Donc, on était obligé d'adapter aussi une violence proportionnelle à leur violence. C'est clair. La seule chose que nous savons, c'est qu'au niveau de la Suisse, nous sommes déjà dans un pays des droits. Et donc, ils ne peuvent pas venir sortir là n'importe comment. C'est au Cameroun, ça finit au Cameroun. Donc, là, c'était le face-à-face. C'était le face-à-face. Et je vous dis... Si tu tentais de vouloir tuer quelqu'un, nous-mêmes, on ne les séparait. Parce qu'on ne peut pas vouloir te tuer. Si tu as la possibilité de te défendre, tu ne te défends pas. Impossible. Et ce n'était même pas pour la garde présidentielle que nous partions. Nous partions pour Paul Biya. La preuve en est à un moment donné. J'ai dit que mais c'est Paul Biya que je veux. C'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Bon, là, j'avais à couper depuis. On ne peut pas voir. Mais je vous mets au défi. Les vidéos sont dehors. Seulement que parce qu'il y avait, certains blancs qui étaient assis à la réception. Je pense que les gars, ils filmaient. Je n'ai pas eu le temps de regarder. Mais quand ça s'est un peu calmé, quand la police est arrivée, nous étions dedans. Hein? Nous ne sommes pas sortis. Nous sommes restés là, dedans. On ne sort pas. C'est pas bien qu'on voulait. La chance qu'ils ont, c'est qu'on a barricadé la voie d'entrée. On a barricadé. Je veux aller vers l'ascenseur. Les gars sont sur moi. Les gars sont sur moi. On va aller vers l'ascenseur. Les gars sont sur moi. Ils sont sur tous nos gars. Mais ils ont reçu la correction. On va appeler ça quoi? Vous allez choisir, après le pipi républicain, c'est à vous de donner le slogan. J'ai donné trois, vous choisissez. La bastonnade internationale, la bastonnade nationaliste du BI, c'est quoi? En fait, vous allez choisir trois slogans comme ça. D'ici lundi, on va lancer ce slogan. C'est tout. Donc, on va dire qu'après le pipi républicain, voilà. Donc, nous avons prouvé à Paul Biya qu'on attaque son ambassade, on touche ses instances, on touche son sémon, on lui demande, on lui prouve qu'il est rien, on pisse sur sa photo, on targue sur sa face, et il vient encore nous tester avec sa garde rapprochée, on le tape. Paul Biya n'a pas compris qu'il a perdu. Il n'a pas compris. C'est pas le Paul Biya n'a pas compris.
Nous, on ne vient pas bien nous voir en face de lui. Il ne comprend pas que nous sommes plus stratégiques. C'est-à-dire que 11 personnes sont plus stratégiques que 40 éléments de la garde présidentielle. Des tas de cancres. Ce n'est pas parce que nous sommes... Je sais que Martin Tajo et les autres, parfois, le fait qu'on fait les analyses, dit oui, les gars, le soir, je vais faire un décryptage là sur l'actualité sociopolitique. Oui, la théorie de la conservation du pouvoir de 1982 en 2019, Paul Biya a travaillé tout simplement à conserver le pouvoir. Il a développé telle pratique. Après, on dit, ah, oui, ouais, Martin Tajo, c'est une femme, hein. Non, il ne faut pas que... Je sais que parmi les Camerounais, on n'avait pas appris l'humilité. Lorsqu'on est humble, on prend comme la faiblesse. Mais bon, prenons comme ça. La seule chose que je peux vous dire de retenir, c'est que je pense que ce n'est pas la tonalité avec laquelle on exprime un argument qui témoigne de la véracité de cet argument. Je pense que ce n'est pas l'ardeur avec laquelle on exprime un point de vue ou on articule un avis qui témoigne aussi de la perspicacité de cet avis. J'ai plutôt appris en Allemagne que lorsqu'il y a un débat d'idées et lorsqu'on veut passer les messages, on peut être calme et être tout à fait sincère. Et ça n'a rien à voir avec une faiblesse, soit intellectuelle ou quoi que ce soit. Voilà, et voilà ce que je vais vous dire. J'ai dit qu'on ne va pas trop durer, on va arrêter à 20h, on va encore faire 30 minutes parce qu'il faut que, bien entendu, après ça, je donne la parole à quelques personnes pour ne pas être dans un monologue. Mais ce que je fais ce soir, c'est pour que certains journalistes aient la clarification et un peu la clarté sur certaines choses pour ne pas... pondre, n'est-ce pas, des éditoriaux qui ne tiennent pas beaucoup. Certains m'ont contacté, je leur ai donné la version. J'ai dit que je ne veux pas d'interview, rien, mais je leur ai écrit. Voilà. Voilà. Nous voulons passer, je veux passer un message ce soir. Quand je dis nous voulons passer, je vais dire toute l'équipe. Hein, toute l'équipe. Et lorsque je parle souvent, je parle également au nom de la brigade anti-Sardina. Au nom du voilà de la résistance, en fait, c'est un peu ça, la communication, elle est simple et stratégique, voilà, c'est tout. Donc tous les pays qui vont, le message que nous voulons passer, c'est que tous les pays, c'est comme ça que vous n'avez pas compris, non? Quand on dit tous les pays, on dit, ah, il est une femme, vous dites tous les pays, ok, tous les pays qui vont tenter de recevoir Paul Biya, vous allez nous voir sur votre face, on va organiser la soupe. C'est comme ça que vous aimez qu'on parle. Bon, ok, là je parle comme je parle souvent. Je voulais dire que chaque pays qui va tester de recevoir Paul Biya sur son sol. Il dit chaque pays qui va tenter de recevoir Paul Biya sur son sol, nous allons le mettre en difficulté. Nous allons apparaître. Et je parle là, je ne dis pas beaucoup de choses. Il dit nous allons apparaître. Je ne vous dis pas comment, mais nous allons apparaître. Nous allons. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit la bastonnade républicaine. Merci, vous notez. Donc, on va dire la bastonnade républicaine. De la garde présidentielle, la bastonnade républicaine. Et chacun va augmenter ce qu'il peut mettre après. Voilà, la bastonnade républicaine. Après le pipi républicain, c'est la bastonnade républicaine et la bastonnade démocratique. On leur a enseigné la démocratie. Ce qui arrive lorsqu'on bafoue la démocratie, on leur a enseigné le droit, on leur a donné la morale. Donc c'est la bastonnade républicaine, la bastonnade démocratique. Voilà. Très bien. Certains ont dit qu'on était un chasseur de lions. Bon, je refuse de dire je. Il faut que d'abord l'équipe avec qui on était, je le présente d'abord. Il ne faut pas que ce soit comme les affaires de l'ambassade là. Déjà qu'on planifie, après on comprend seulement les trucs, genre, je ne suis pas dedans. Bon, voilà ce que j'ai dit. Le pays à l'intérieur de l'Europe, je parle pour l'Europe, d'ailleurs, même si c'est aux États-Unis là, je vais prendre le vol pour ça. Je me connais quand il s'agit de Paul Biya. Parce que mon objectif là, c'est Paul Biya. Quand je me couche à 24, on dit seulement que le vent de Paul Biya va passer quelque part. C'est comme si le sommet là part même pour deux jours. Ça part pour deux jours. C'est-à-dire que je peux me coucher là, on va parler tout. Hein. Je vais fermer les yeux. On va dire que tel est monté, ça, je vais fermer les yeux. Mais quand il comprend Paul Biya, il est où? C'est comme ça que je suis passé, c'est lui. Le père là, il a fait mal. Hein. Il a semé une misère totale au Cameroun. Hein. Peut-être vous blaguez. Ah! C'est plus que la dictature. Hein. Depuis, j'ai cherché un autre mot. J'ai parcouru tous les mots de l'académie, du dictionnaire de l'Académie française. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu ce qu'il doit. L'adjectif qualificatif que je dois utiliser pour Paul Biya. Il est méchant. Hein. Il est sévère. Bertine Bella. Non, je suis là. Il fallait que j'apparaisse rapidement. Je voulais plutôt venir dans mon lab de lundi, qui est la grande conférence. Mais parce que certains disent que non. Matin à l'hôpital, je vous rappelle que un jour avant, je n'ai pas dormi. Et le lendemain, lorsque je rentre, j'engage 7 heures de temps. J'ai conduit pendant 7 heures de temps. J'ai dit bien 7 heures. Puisque je n'étais pas dans le bruit, j'aurais dû aussi faire un live pour montrer que je suis en train de conduire vers la Suisse. Non.
je pense que Bobby allait savoir. Voilà. C'est après ça que j'ai couru 7 heures de temps. 7 heures de temps. Donc, quand j'arrive, je me suis d'abord fatigué du voyage. Et dès qu'on arrive en Suisse, pap, 11h30, à 12h, on était déjà dedans. On était dedans. Bah, on ne peut pas perdre le temps. Déjà qu'on passait déjà aux stations de bus, il y a les gars. Ils avaient positionné les gars dans les alentours. Et les gars me connaissaient. Comme j'étais ouvert, j'avais vu comment le gars était assis. Il fait comme si c'était un téléphoné. Après, il soulève le portail, il fait comme ça. Il a seulement dit que, fils du pays. Il a dit, mon mien, fils du pays, regarde ce qui se passe là-bas. Les gars ont vu. Parce que le gars m'a remarqué. Non, ne leur demandez pas de partager. Il faut qu'ils partagent quand on entre, quand on organise peut-être une scène de massacre individuel et volontaire. Ils sont très fiers pour partager. voilà. J'espère que j'ai passé le message là. J'ai passé le message. Et je suis catégorique là-dedans. Chaque pays qui va tester d'accueillir Paul Biya, chaque pays européen, asiatique et américain, nous allons traquer, nous allons apparaître. J'espère que je suis clair là-dessus. Voilà. Nos services, ce que je vais vous dire, un deuxième message ce soir, c'est que nos services de renseignement, je ne parle pas de la petite milice tribale de Paul Biya qui l'appelle service de renseignement là. Ils ne peuvent pas renseigner les gens dans un village. Ils ne peuvent pas. Je vous assure déjà. Et quand ils vous parlent, croyez-moi, sois-en sûr. Ils ne peuvent pas. Je parle de nos propres services de renseignement. Ont déjà, écoutez, identifié la prochaine destination de Paul Biya. Je reprends. Nos services de renseignement ont déjà identifié l'adresse où Paul Biya va. Parce que Paul Biya va quitter l'hôtel, mais il ne rentre pas directement. Paul Biya a besoin il va renouveler le sang, c'est automatique, sinon il va mourir. Donc, nos services de renseignement, et je parle encore sur le regard de 2500 personnes, ont déjà identifié, vous savez, ceux qui font l'arrogance et tout dans la révolution, ils vont le faire. Mais j'ai agi dans le cool. J'ai dit bien ceci. Nos services de renseignement ont déjà identifié encore la prochaine adresse de Paul Biya. Il va quitter l'hôtel. Et nous connaissons déjà cette adresse. Et là maintenant, Paul Biya et tous les gars que nous avons affrontés mardi, apprêtez-vous, nous allons faire irruption. Entre-temps, ça n'empêche pas que tout le monde converge vers la Suisse samedi. Parce que, qu'il soit là ou pas, le message doit passer au gouvernement suisse et puis à l'équipe de l'hôtel intercontinental. Il faut qu'ils reçoivent de telle façon que la prochaine fois, ils ne tentent plus parce qu'ils nous ont menti. La dernière fois, ils avaient dit que Paul Biya, ils ne doivent plus recevoir Paul Biya. Mais ils l'ont encore reçu. Très bien. Donc, ça me dit que tout le monde se converge comme le tsunami, comme je ne sais pas comment je vais exprimer ça. En tout cas, que tout le monde y va en masse pour vomir le gouvernement suisse sur cette affaire. Voilà. Je vous rappelle, soit disant en passant déjà, qu'ils sont en train de chercher les négociations. Ça prouve qu'eux-mêmes, ils étaient derrière. Donc, les négociations, nous n'avons pas besoin de ça tant que le professeur Maurice Kamto est en prison. Il sort, il est un acteur incomparable, c'est le leader de la transition. Et je parle de la vraie transition, pas des histoires qu'on fabrique dans des couloirs interposés. D'ailleurs, je ne me prononce pas sur ces histoires parce que je ne gère pas des choses comme ça. Il y a des choses qu'avant de commencer, on sait d'office que ça ne doit pas marcher. Je ne sais pas pourquoi les gens s'aventurent sur ça. Voilà, c'est un peu ça. Voilà. Quand il parle de la transition, je parle de la transition parce que le professeur Maurice Kamto va prendre, il va gérer un mandat, il va relever le Cameroun et il va passer aux autres pour les encadrer. C'est pour ça qu'il parle de la transition, que Maurice Kamto, qui sera une transition du professeur Maurice Kamto. Après avoir, si le recomptage, il avait dit, si on fait le recomptage, après le contentieux au niveau de l'Union africaine, si on fait le recomptage et qu'il est derrière, il n'a pas de problème. Mais qu'il a gagné, soit on accepte son vote, soit on réorganise, et puis 1000 fois, il va passer 1000 fois. C'est le leader de la transition. Voilà. Il y a un autre qui propose, en passant, la bastonnade révolutionnaire. Il y a d'autres qui proposent la bastonnade révolutionnaire. Moi, je vous adore. Parfois, quand elle rit comme ça, non. L'endroit m'a dit que Martin Tayou, c'est une femme, un peu comme pour parler, un peu comme si pour parler, j'allais plutôt crier. Voilà. Est-ce que vous avez suivi le message que j'ai passé? Je reprends. Deuxième message. Parce que des fois, je parle comme ça, les gens pensent que ce sont des blagues. Paul Biya, la prochaine destination, nos services de renseignement ont déjà identifié l'adresse.
et je sais que tu es connecté. Le petit cancre qui était dans ton dans le rang de tes éléments là, le cancre qui a sorti le gaz lacrymogène et on a crevé son nez avec là. J'espère que vous l'avez aguerri. Je vous rappelle, il y a un monsieur de la garde présidentielle, je ne le connais pas, ils sont tous qui me connaissent. Il m'appelait Martin Tajo, l'autre m'est venu vouloir négocier avec moi. Que Martin Tajo laisse l'affaire ci. Il a dit que laissez quoi, vous tuez mes parents partout, vous tuez les gens, vous venez me dire de laisser l'affaire. Je laisse quoi, vous êtes malade. Hein? Je n'ai pas laissé. On n'a que continuer. Donc, il y avait un autre, un peu court. Mais on va les identifier eux tous, un peu court. Parce que je vais créer une page sur laquelle on va mettre les figures de tous ces gens-là. D'ici bientôt, on va créer un groupe. C'est pas un conseil parce qu'il ne veut pas créer les concepts creux. On va créer un groupe où on va les identifier avec leur maison, leur famille aussi, leurs adresses et tout aussi. Comment, où ils travaillent, comment ils se déplacent au Cameroun. Parce qu'il ne faut pas qu'ils pensent qu'ils sont eux. Je vais leur prouver que nous sommes aussi le FBI. Ils vont voir. Nous allons mettre le cerveau en marche. Ils vont constater ça. Vous allez voir. Vous traquez, non? On va voir. Nous allons tous traquer. En tout cas, j'étais en train de dire qu'il y a un d'eux qui a sorti le gaz lacrymogène qu'on fait pour le self-defense là. Il a voulu lancer. Un de nos éléments a attrapé et on a mis ça dans ses yeux. Donc, on a crevé son œil. Quand la police est arrivée, il ne voit plus. Martin Tajo, vous voyez mon œil? Vous voyez mon œil? Il dit que Mignalmi, vous êtes la garde rapprochée, non? Faites ça au Cameroun, ça finit là-bas, ça ne traverse pas l'eau. Tu as compris? N'importe quoi, des torchons qui se passent. Il y a bien dit qu'au Cameroun, les gars se cachaient seulement derrière les armes pour tuer les Camerounais. Ils ne sont rien. La prochaine fois, nous allons avoir 4 bases arrière. C'est-à-dire qu'un entre, une deuxième, une troisième, nous allons avoir 4 bases arrière. Vous allez voir. En tout cas, plus on est sur le terrain, plus on est formé. Ne vous dérangez pas. Non. Hey, j'ai oublié. Quelqu'un me dit que tu es un excellent général. Non. Devant les 2500 personnes qui sont connectées, je n'ai jamais précisé que je voulais un grade. Je n'ai jamais précisé que je voulais être général de quoi que ce soit. Non. Ça, excusez-moi, avec ceux qui ont donné, je vous dis merci, mais de grâce. Je ne le veux pas. Je n'ai pas demandé que j'ai. Je n'ai jamais pensé qu'il voulait être général. Non, désolé. Ça, je le dis du fond de mon cœur. Et j'aime tous ceux avec qui je travaille. Je vous adore. Que les actions se multiplient comme ça pour que Pop Biapa. Mais je vous dis de grâce. Ça, à dire ça à Martin Tajo, c'est même me connaître. Avant d'entrer dans la base, moi, j'étais activiste, bien reconnu. Je n'ai jamais précisé que je voulais le grade de quoi que ce soit. Donc, je dis encore, devant les 2500 personnes connectées, je vous dis, je vous envoie, je répète, je n'ai jamais précisé que je voudrais être général. Je ne veux même pas. Parce que je ne sais pas manipuler l'arme. Désolé, je ne connais pas comment on fabrique les munitions. Je ne connais pas. Tout ce que je connais là, c'est ma force, c'est mon cerveau. Parce que je sais qu'au 21e siècle, la vraie force sera la force intellectuelle. C'est pour ça que je passe partout, c'est que je suis armé. C'est que quelqu'un va m'attaquer sur le domaine économique, culturel, sociopolitique. Je vais le répondre. C'est la raison pour laquelle, même devant l'hôtel intercontinental, quand la police est arrivée, j'ai dit aux éléments de Port-Bia qu'on ne gouverne pas par la force parce qu'on a perdu sur le sens de la logique. Venez, qu'on tient un débat d'esprit, un débat d'idées où il y aura l'échange dans le respect des règles mutuelles du débat. Et puis on va voir si vous allez tenir 10 minutes. J'ai dit ça devant. Je regrette. Oh, vraiment. Alors, c'était un peu ça. Ça, c'est une chose. Maintenant, je n'ai pas cherché quelque part que je voulais être leader de quoi que ce soit. Je n'ai pas un mouvement. Je communique pour le peuple camerounais. J'ai fait des investigations pour déconstruire le système sanguinaire qui est implanté depuis 1982 à Yaoundé. Et je le fais sans complaisance. Je fais des critiques sans complaisance. Et je tire sur eux. Pop Biya et son gouvernement de satrapique a toujours été. Pop Biya, toute sa clique perverse, cynique, narcissique. Pop Biya. Et toute sa petite oligarchie, on va appeler ça quoi, sa minorité oligarchique des compradors, voilà, et son clan mafieux, j'ai toujours dit que c'était mon viseur. Ce sont eux, ils sont pris dans l'œil du cyclone. Et le reste à côté ne m'intéresse même pas. Je rentre là, si j'ai faim, je peux prendre ça là, je mange. Et après, je bois un peu d'eau, je bois un peu d'eau comme ça. Regardez, on boit comme ça, l'eau propre, regardez. Le lendemain, quand j'ai le temps,
je saute mon riz. Hein. Quand je n'ai pas le temps, j'achète mon burger, je mange. Le week-end, quand j'ai le temps, je peux faire un peu du riz, je mets un peu la sauce tomate, hein, un peu du poulet, un peu de la viande et autres. Et puis, je pars prendre mes cours. Voilà, je pars prendre mes cours et j'ai fait mon stage. Comme d'habitude, ça me paye mon loyer, ça me paye mes factures. Non, je ne demande pas à manger à quelqu'un. Et s'il y a une seule personne ici qui m'a déjà viré 10 euros, pardon, qui prend, il affiche un peu quelque part. Donc, c'est pour vous dire attention un peu de ne pas vous lancer dans des choses qui mettent le combat à nu, quoi. C'est une chose que je voudrais dire. Voilà, ce que je dois dire au service des renseignements, puisque nous avons identifié votre prochaine adresse et que nous allons faire irruption, je vous demande de charger vos seringues. Parce que cette fois-ci, nous allons apporter nos seringues. À défaut d'apporter, vous allez charger, nous allons récupérer et vous mettre ça dans l'œil comme on l'a fait la fois passée. Vous avez compris? Nous allons prendre ça, mettre sur vous comme on a fait la fois passée. Je vous rappelle que on a déjà organisé l'expulsion de 6 éléments parmi eux. De 6 éléments. Et c'est des gars qui ont été drogués. Ils ne sont pas forts, ils prennent la drogue pour venir affronter des gars qui sont intellectuellement prêts. Oh, la stratégie. T'as qu'on a, on pop, pop, pop. Les gars disent, mais c'est pas possible, ils sont là. C'est pas possible, les gars sont là. Vous voyez, former 3 barrières devant. C'était la barrière de quoi? Vous dites que vous êtes fort. C'est la barrière de quoi? On pénètre devant vous. On pénètre devant vous. Jusqu'à vous êtes surpris. Vous me dites que vous êtes des services de renseignement. Vous vous renseignez sur quoi? Vous renseignez quoi? Vous renseignez sur quoi? Sur le vol? Sur le banditisme? Les pickpockets? Ils m'ont arraché le téléphone. Les pickpockets? Les bandits? Alors, je vais arriver encore sur cette affaire de téléphone-là. Je ne vais pas oublier. Si j'oublie, vous me rappelez. Je vais vous assurer que toutes vos données sont protégées. Toutes mes données sont protégées. Que si quelqu'un a communiqué avec moi, qui ne se dérange pas. Il ne se dérange pas. Donc, chargez vos seringues. Nous allons prendre, on va retourner ça contre vous. Parce que la manière que j'ai constaté, la manière que j'ai vu ces gars, ces éléments de Paul Biya, faibles sur le plan organisationnel, je me demande si les ingénieurs qu'on présente souvent au Cameroun qui travaillent pour Paul Biya là, ils ont même quelque chose dans la tête. Ils ont l'eau à la place du cerveau. Je vous dis, ils sont vides. Ils sont vides. Ils sont vides. Je me pose la question sur la compétence de ceux qui entourent Paul Biya en personne. Je me pose vraiment la question. Je me pose la question, je vous assure. Je me demande si ces gens qui travaillent pour Paul Biya, ont même fréquenté. S'ils ont fréquenté, ils ont même fait quelle école? Vraiment de Dieu. Oh. En passant aussi, je vous rappelle, dans tous mes lives que je vais faire, si vous prononcez au nom de quelqu'un directement, je vais vous fumer. Même si vous êtes un gars qui me soutient. C'est ça. Quand je vous dis que objectif, Yaoundé Paul Biya là, je ne suis pas en train de jouer. Je dis bien. Même si vous êtes un gars qui soutient Martin Tajou, vous prononcez le nom de quelqu'un, je vais vous bloquer. Parce que il faut passer à autre chose. Faire un peu des choses. Il faut passer à autre chose, pardon. Passer à autre chose. Nos activistes ont balancé. Balancé. Ne t'assieds pas avec la tête de mort. Ce n'est pas ça. Avant, ça avait ça qui fait le live. Attention, hein. L'appareil que j'ai, c'est un appareil que j'ai mis 1000 euros sur pied pour acheter ça. Je vous dis, si vous voulez, je vous donne la marque. Moi, c'est iPad Pro. La dernière génération de iPad Pro 2019. Donc, les signalements, les mauvaises têtes là. Donc, mes abonnés, ne vous dérangez pas. Ça n'a aucun effet. Quand ça signale à mon, je vois comment il y a 2, 3, 4 mauvaises têtes qui sont montées. Directement, je les enlève. Donc, ne vous dérangez même pas. Le portable. Est-ce que je devais vous parler du portable en attendant? J'ai reconduit la puce de mon portable que j'ai mis ici. Donc, si vous m'appelez sur mon portable, ça va sonner chez moi. Donc, la puce qu'ils ont prise, ça n'a pas effet. C'est déjà détruit. Mais j'ai le même numéro parce que j'ai reconduit le même numéro. Je reprends. Pour ceux qui ont peur des données, ne vous laissez pas. Nous ne sommes pas en 1960. Je ne suis pas un enfant. Je ne suis pas un bébé. Certes, j'ai commis l'erreur. Ils ont pris. Mais directement, ce que j'ai fait, j'ai d'abord changé tous mes mots de passe. C'est-à-dire sur Facebook, mes mots de passe de tout. S'il y avait une application, j'ai changé le mot de passe. De telle façon que si vous entrez dans l'application, on va demander de mettre le mot de passe. De 1. Mais de 2, retenez que
Mon portable est codé. C'était codé. Et tels qu'ils sont bêtes, c'est impossible qu'ils prennent le portable et le même jour-là, ils entrent dans mes données. C'est impossible. Je vous dis déjà pour commencer, c'est impossible. Ils voulaient chercher à rentrer d'abord à Yaoundé et puis aller mettre dans leur logiciel et faire non. Non, c'est impossible. C'est impossible. Donc directement, si vous voulez, peut-être quand je parle, non, il faut que je vous assure, hein, pour qu'on soit posé. Il faut que je vous assure. Un instant, hein, je vais chercher... un instant, donnez-moi 2 secondes là. J'étais en train de regarder. Voilà, exactement. J'étais à la maison, mais je peux vous montrer même comment j'ai travaillé. Regardez, on a traqué tout sur Google. Je vais vous dire que les gens ne se masturbent pas la conscience. Matin, tard, je ne sais pas le terrain. On réfléchit à la tête. À un moment donné, on va le faire. Parce que plus tu parles humblement, tu ne dis rien, on te prend pour un enfant. Nous sommes un enfant, nous sommes des bébés en 2019. Regardez, nous avons traqué, vous voyez bien ici là, c'est mon téléphone. Attendez, je vais bien mettre comme ça pour que vous voyez bien. Hein. Un instant, je vais changer, je vais tourner. Pour... Voilà, regardez, la marque de mon téléphone, c'était Samsung Galaxy A7. En allemand, on dit Zurückgesetzt auf Werkeinstellungen. Ok, voilà ça, Daten von Gerätlöschen et tout ça, voilà ça. Voilà, je montre juste un peu rapidement là pour que vous voyez comment j'ai travaillé sur ça avec les gens. Je n'ai pas besoin d'aller faire le bluff. Donc j'ai traqué, on a traqué mon téléphone sur Google Maps. On a vu là où mon téléphone était. On a donc complètement initialisé. Avec le iPhone, on peut directement aller online et puis on bloque. Mais comme c'était la Samsung, j'étais obligé d'aller. Je ne peux pas faire directement, ça ne peut pas. Donc, je suis allé à Amazon, mais j'ai donné le numéro, ce qu'on appelle email, I-M-E-I, un truc comme ça là. Et puis, avec ça, on a traqué, on a retrouvé là où il y avait. On a complètement détruit tous les données, c'est-à-dire qu'on a tout enlevé. Ils peuvent utiliser le téléphone, mais tout est déjà initialisé. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Voilà, c'est tout. C'est ce que je voudrais vous dire pour que ceux qui sont avec moi ne se dérangent pas. Ceux qui avaient des contacts et qui travaillent avec moi ne se dérangent pas. Déjà pour commencer. Voilà. Et mon numéro, c'est le même numéro qui fonctionne. Et pour ceux qui travaillent avec moi au pays, on ne travaille pas sur WhatsApp. On s'appelle en direct sur Messenger. On ne travaille pas sur WhatsApp. Personne au pays avec qui je travaille sur le domaine de la stratégie, on travaille sur WhatsApp zéro. Donc ce qu'ils ont là maintenant, c'est un non-événement. C'est un non-événement. S'il y a quelqu'un qui a mon numéro, il m'appelle en direct, il y a 2500 personnes, il va voir. Je vous dis pour que vous n'ayez pas peur. Pour que vous n'ayez pas peur. Si quelqu'un m'appelle, ça va sonner sur le même numéro. Celui qui a mon numéro, il peut m'appeler. Là, ça va sonner devant vous, mon numéro. Voilà. Et ça ne sonne pas chez la garde, ça ne sonne pas chez eux. Et puis, mon Google Conto. C'est-à-dire que Google Account, Facebook Account, Samsung Account, tout. J'ai réinitialisé, changé les mots de passe. Donc, ne vous dérangez pas. Ne vous dérangez pas. Ça, c'est ce que je voudrais vous dire sur cette affaire. J'espère que vous n'avez plus peur. Avec la réinitialisation, toutes les données sont automatiquement supprimées. Voilà. D'accord. Voilà. On m'appelle, voilà. Je ne manque pas parce que c'est quelqu'un qui m'appelle. Regardez. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui a essayé d'appeler. Là, je n'ai pas... C'est un peu ça, voilà. Je vais prendre un nouveau smartphone. Je dis bien, je vais prendre un nouveau smartphone. Après ça, je pourrai encore continuer à parler sur WhatsApp et tout ça pour initialiser. Voilà. Et déjà, je vous assure que le WhatsApp, j'avais fait de telle façon que je peux me communiquer sur mon WhatsApp à partir de mon ordinateur. C'est-à-dire, même sans ce portable, je peux déjà communiquer sur WhatsApp. Seulement que je ne veux pas ouvrir sur mon ordinateur. Je peux le faire. Je peux vous montrer. Je peux vous démontrer en live d'abord. Ça, c'est pour l'assurance de ceux qui ont peur là. Regardez mon WhatsApp. Regardez. Voilà mon WhatsApp. Là, j'avais synchronisé ça même à la maison. C'est-à-dire que j'ai récupéré mon compte Google et à partir de la maison, regardez. Je peux faire les trucs sur WhatsApp. WhatsApp va s'ouvrir rapidement. Voyez. Un instant, ça va s'ouvrir. Je vais arrêter.
vous allez voir. Ça va s'ouvrir, je vais faire ici, je vais montrer ici là, ça va s'ouvrir d'un moment à l'autre là. Voiture va s'ouvrir. Non, bon. En tout cas, ça va perdre le temps, on continue notre communication. Voilà. Nous informons Amsanga Nyamdin qui a un peu voulu déjà surfer négativement, qui a voulu déjà, il se gargarise déjà à lancer les propos concernant l'action que nous avons menée au niveau de la Suisse. Je lance un message à Amsanga Nyamdin qu'il arrête rapidement, parce que nous informons que nous avons encore un dernier assaut. Et cette fois-ci, nous serons plus nombreux. Arrêtez un peu. Voilà. Arrêtez un peu. Il se fait déjà un peu maladroitement sur l'action que nous avons menée. C'est notre action. La brigade anti-Satina mène cette action. Je salue Jean-Désiré. Je salue tous ceux qui sont là. Jean-Désiré, je te salue. Avec vous, on était sur l'attaque l'autre de l'ambassade. On m'a dit que tu étais malade. Je te souhaite bonne guérison. Je te souhaite beaucoup de bonne guérison. Je vous ai appelé. Je vous ai mobilisé tous. Malheureusement, il y a certains qui étaient malades. Il n'y a pas de problème. Et je dis bien ceci, matin, tard, avant de quitter l'Allemagne, j'ai mobilisé tout le monde. Ceux qui ne sont pas partis ont dit qu'ils étaient malades ou peut-être ils avaient d'autres choses à faire le lendemain. Mais pour Jean-Désiré, il était réellement hospitalisé. Et je sais ça, il est hospitalisé. Il est hospitalisé. Bravo à tous ceux qui ont accepté de bouger avec moi. Bravo. Le gars qui a mis sa voiture en jeu, merci. Parce que maintenant, là, je n'ai pas la voiture. Parce que ma voiture s'est gâtée il y a de cela un mois. Sur la route de la France, le moteur a coulé. Je n'étais pas besoin de venir dire ça en live. Mais j'ai laissé. Je prendrai d'autres pour me déplacer. Donc, merci à celui qui a mis sa voiture à ma disposition. Je ne prononcerai son nom que s'il va vouloir. Il a mis la voiture à ma disposition. Et que j'ai mobilisé les gars. Nous sommes partis avec. Nous sommes partis avec. Voilà. Je lui donne un coup de chapeau. Parce qu'il n'y a pas une action. S'il ne donnait pas la voiture, je ne devais pas aller. Oui, certes, j'allais réserver le train. Le train et autre. Mais la voiture nous a permis d'avoir une mobilisation rapide. D'aller récupérer certains là-bas, ici, un peu de partout. Et de partir ensemble. Voilà. Donc, merci. Merci. Nous informons à Port-Bien que nous allons les attaquer encore. Parce qu'on a déjà identifié la prochaine adresse. Donc, il est mort en guerre. Il est mort en guerre. Il est mort en guerre. Il est mort. Pour bien être mort en guerre, je vous assure. C'est pas le bébé. Quand j'irai, je ne dois pas parler. Quand nous irons, nous n'allons pas parler. Nous n'allons pas parler. Nous n'allons pas parler. Voilà. Pardon, qui laisse le nom du professeur Maurice Kamto en paix? Kamto. Ils ont parlé depuis l'affaire de la Marseille. Ils sont où avec? Qui le laisse en paix? Il va sortir. Professeur Maurice Kamto, vous allez le libérer. Coûte que coûte. Coûte que coûte. Vous m'avez vu, monsieur membre du MRC. Vous m'avez vu, monsieur membre du MRC, moi. Moi? Le jour que je prendrai la carte du MRC, vous allez voir, je dois présenter ça comme ça, mais je ne le fais pas. Parce que si j'entre dans le MRC, je ne serai pas libre penseur. Je serai obligé de dire seulement tout ce qui concerne le MRC. Comme les gens du RDP, eux sont obligés de tout faire pour rien. Non, moi, en étant encore indépendant, j'aime être libre penseur, avoir la liberté de penser, la liberté d'opinion. Oui, parce que si le professeur Maurice Kamto monte au lendemain, les cinq prochains mois, il n'applique pas son programme directement, je deviens son opposant. Il va que faire ça. Il va qu'appliquer son plan. Voilà. Je salue Lionel le Maestro. Je salue Dada André depuis l'Australie. Je salue Marie Turugu. Je salue tout le monde. Je vous ai dit d'avoir l'esprit critique, l'esprit philosophique, la remise en question. Ne consommez pas tout ce qu'on vous dit et tout ce que vous lisez avec les yeux fermés. Non. J'aime que ceux qui me suivent aient l'élévation mentale. C'est-à-dire, chaque moyen, tu mettez les cerveaux en marche. Ayez l'esprit philosophique. Ayez l'esprit philosophique. Parce que la philosophie n'intervient et ne devient urgente qu'à partir du moment où on a la capacité de remettre toutes les thématiques en question. S'il n'y a pas le questionnement, il n'y a pas la vérité. Ne suivez pas, ne soyez pas des Dalton. C'est un peu ça. Voilà. Retenez une chose que je voudrais encore dire. C'est que la police nous a identifiés avant que nous avons quitté les lieux. 20 minutes, 15 à 20 minutes de bagarre, la police arrive, on nous identifie. On leur dit, voilà nos téléphones, on a pris. La garde rapprochée de Port-Bien, les violents, les idiots, les satrapiques. Ils ont dit que non. Ils n'ont pas pris nos téléphones. Alors, comme, voilà, le commissaire divisionnaire est venu vers moi. J'ai dit, oui, je suis l'activiste. J'ai plus de 25 000 personnes sur ma page.
Le commissaire là, il est entré sur ma page, il a vu la vidéo, il a dit d'accord, c'est tout. Le commissaire, parce que lui n'avait pas été en tenue, le commissaire même n'était pas en tenue, c'est là où j'ai compris aussi les stratégies de guerre. C'est là où j'ai compris aussi les tactiques de guerre. J'étais là même, j'ai voulu même l'insulter après, il ne savait pas. Lui, c'était le commissaire, c'était lui-même le commissaire qui gérait la troupe. C'est après, on a dit que non, voilà, le commissaire veut vous voir. Il est venu vers moi, il a mis mon nom dans son Facebook. Hein. Là, il est entré dans son Facebook, il a mis ma tête d'âge officiel, il a vu la vidéo parce qu'il n'était pas là. Il a vu la petite vidéo. Mm-hmm. Donc, ils nous ont identifiés avant que nous sommes partis. Et on a dit que si les éléments du BIA n'avaient pas fait la violence à l'hôtel, nous, on n'allait pas faire aussi la violence. On n'allait faire aucune violence. C'est parce que les éléments de Paul BIA ont commencé la violence que nous avons répliquée. Et je vous ai dit toujours, moi, les autres, nous ne sommes pas violents. Mais on devient violent en légitime défense. Ils sont sortis avec les seringues. Ils avaient les seringues. Je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans les seringues. Depuis là, je me sens un peu faible. Je me dis que dans la masse, ils m'auront injecté quelque chose. D'ailleurs, je vais aller à l'hôpital juste pour ça. Parce que quand vous me voyez, quand je regarde, des fois, je vois les trucs comme s'ils m'ont mordu. C'est comme s'ils m'ont mordu moi avec les dents. Regardez. Malheureusement, le truc, ça ne montre pas bien. Mais vous pouvez voir ici, par exemple. Regardez ici. Ma main ici. C'est comme si m'ont injecté quelque chose. Donc je vais aller à l'hôpital. Je vais aller à l'hôpital gérer ça. Je vais aller à l'hôpital pour faire mon check-in. Je vais aller à l'hôpital. Et ce n'est que la lâcheté quoi. La lâcheté du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Et il y a des gens qui on a donné une chandelle. Venez, on vous donne aussi. Si vous voulez vous relever, vous pouvez vous relever. Vraiment de Dieu. Oui, j'accepte. On m'a donné une chandelle. Oui, je ne refuse pas. Ils ont donné. Ils ont donné. Mais je sais que si je tentais de faire 2 secondes au sol, ils descendaient sur moi. C'est pour ça que dès que je fais tout pour me lever, un combattant ne tombe jamais. La vie, quand on tombe, on se relève. On ne tombe pas. Si je tombe, il reste au sol. C'est que vous avez vendu, vous tous. Donc, c'est un peu ça. La vie d'un homme, ce n'est pas d'aller de succès en succès, mais de se le relever après chaque obstacle. Retenez. Voilà, retenez le slogan. C'est ça l'efficacité. La vie d'un homme n'est pas toujours d'aller de succès en succès, mais de se relever après chaque obstacle. Ils m'ont rappelé, je suis tombé, mais je me suis relevé. Voilà, c'est ce que vous voulez comprendre. Comme il y a quelqu'un qui dit, le pauvre, vous ne l'enlevez pas, pourquoi? Il a dit aux administrateurs de faire son jeu. Ahmed, je vais encore t'enseigner. Je salue Marcel Macam, la générale qui est déjà là. Je vous salue, vous tous. Je salue également le général Barat qui est arrivé au soir. On voulait y rentrer. Quand il m'a filmé, j'étais dans la voiture, je me couchais. Mais c'est parce que j'avais conduit 7h30 à 8h du temps avant l'assaut. Et après l'assaut, j'étais un peu fatigué. C'est normal. Si vous pensez que je n'ai pas été fatigué, je vais cacher pourquoi. J'étais fatigué après l'assaut. J'étais fatigué. C'est pour ça que quand le général Barat est arrivé après, elle était jeune. Mais quand même, bon, je ne veux pas entrer dans le chemin. Quelqu'un m'a dit que le général Barat était avec nous. Bon, c'est quand même terrible. Je vais présenter tous ceux qui étaient avec nous, ce n'est pas un problème lundi. Mais le général Barat est arrivé, seulement qu'elle arrivait un peu en retard. Et on avait fini. Donc c'est pour ça qu'elle m'a filmé au niveau de la gare. J'étais dans la voiture. Et mais le lendemain, le général Barat était dans le coup de ceux qui sont arrivés après. Je loue beaucoup d'efforts. Mais il faut quand même toujours dire un peu les choses comme ça. C'est droit, non, les gars. Ouais. Soit aussi simple. Voilà, je vais. Salut Cyril. Je vais ouvrir maintenant la fenêtre. J'ouvre la fenêtre pour ne pas rester dans le monologue. J'ai dit l'essentiel, ce que je voulais dire. Il y a d'autres choses, des révélations autour de ça qui seront faites lundi. Parce que lundi, là, je vais inviter tous ceux qui étaient à l'assaut avec moi. On va se retrouver lundi. Vous avez compris, lundi à 18h, j'aurai un live. Je vais annoncer tout à l'heure. Lundi à 18h, je serai en live. Et puis, tous les 11 personnes, sauf celui qui ne va pas vouloir s'afficher, mais en tout cas, celui qui a accepté d'être dans notre troupe pour aller là-bas, il ne peut pas se cacher. Je loue, il y a un gars très stratégique. Très stratégique. Je ne dois pas dire qui c'était. Tout le monde va se présenter. Mais c'est à chacun de se présenter lui. Parce que moi, si tu parles d'un combattant, tu risques de dire ce qu'il ne voudrait pas que tu dises de lui. Donc c'est pour ça que je dis, je préfère faire ce live avec eux. Et chacun, s'il peut parler de lui, peut parler de lui. On voit un peu. Je ne veux pas parler de quelqu'un. Peut-être en disant, je pense qu'il dit bien. Je préfère laisser lundi eux-mêmes, ils vont se présenter. Et ils vont parler. C'est bien. Donc, même celui qui dit qu'il est stratégique, là, il ne doit pas vous dire qu'il était stratégique. C'est à lui de parler lundi. C'est comme ça que je suis. Voilà. Et salut, Emmanuel Kemta, le combattant. Merci pour le grade que tu m'as donné. Mais bon, je reste matin tâche, comme je te le dis. Appelle-moi matin tâche.
c'est tout. On y va, on fait comme ça. Je vais aller à l'hôpital. Ils m'ont mordu. Ils m'ont mordu. On leur a dépassé. On les dépasse au plan médiatique. On les dépasse au plan intellectuel. On vient encore les déplacer au plan physique. Ils coupent les gens avec les dents. Ya, Paul Bien. Ta garde croque les gens. Vous croquez les gens. Vous croquez les gens. J'ouvre la fenêtre. J'ouvre la fenêtre. Et je vous dis que j'ai donné une petite information. La communication est stratégique. On ne parle pas tout. Ou on ne dit pas tout ce qui vient dans la bouche. Donc j'ai autre chose qu'il veut garder parce qu'il veut me concerter avec eux avant de parler. Et lundi, on serait ensemble. On va parler. Donc toute la vérité autour de l'organisation, comment ça s'est déroulé et tout, vous allez recevoir ça lundi à 18h. J'annonce encore le live, pas le flyer. Lundi à 18h, je serai en live. J'ai ouvert la fenêtre pour ceux qui veulent intervenir. Je serai en live avec tout cela. Avec tout cela. Avec tout cela. Tout cela. Voilà. Je prends déjà ceux qui interviennent. Vous avez vos deux minutes. Je voulais faire le monologue, mais je ne le fais pas. Je vous prends. Vous avez vos trois minutes pour être cohérent. Pour que... Non, mais tu sais que moi, je ne suis pas habitué à faire ce genre de choses. Non, c'est pas toi qui disais, c'est pas parce que tu avais appliqué. Salut, très boni. Bienvenue. Salut. Salut à tous les Camerounais qui nous regardent. Déjà, avant tout, déjà, Martin, je pense qu'au nom du Cameroun, de Oum Niobe, en mon nom, au nom de tous les Douala, au nom de tous les Camerounais, au nom de toute la résistance, je te présente mes félicitations, tu es un champion. Ça, il fallait qu'on te le dise officiellement. Ce n'est pas pour gonfler l'orgueil. Parce que... Et d'ailleurs, on le fait parce qu'on sait que tu es quelqu'un d'humble. Donc, tu vois, les gens qui sont humbles, c'est facile de les féliciter parce qu'on sait qu'ils ne vont pas prendre ça pour quelque chose. Et lundi, tu vas encore intervenir dans mon live à 18h pour féliciter tout le groupe avec lequel nous étions à la porte. Parce que nous étions 11. Avec plaisir, avec grand plaisir. Tu vois, le Cameroun de la méritocratie, ça commence déjà par féliciter ceux qui posent des actions louables. Donc, mon gars, je te présente vraiment les félicitations et la patrie, le pays, t'en sera éternellement reconnaissant. Voilà, tu as inscrit ton nom dans le livre de l'histoire du pays. C'est une bonne chose. À nous de faire pareil. Maintenant, frère, je le dis à tous ceux qui nous regardent, samedi, rendez-vous à Genève. Voilà, Dre Mondi qui vous parle, moi je ne fais pas exception, je serai à Genève. Oui. Ça, il n'y a pas de micmac, il n'y a pas de mystère, je serai là-bas. Et puis, on va voir ce qui va se passer là-bas. Mais en tout cas, tous les éléments, tous les brigadiers de France, tous les brigadiers de Suisse, enfin tous ceux qui sont là, vous êtes réquisitionnés. Le grand rendez-vous, c'est samedi à Genève. C'est-à-dire que quand il y a un rendez-vous qu'il ne faut pas manquer, il ne faut pas le manquer, les frères. Donc, samedi à Genève. Frère, franchement, vous avez été courageux. Et quand j'entends que les gars ont mordu comme des femmes, parce qu'on les voit, les gars, des gorilles. Où tu as vu que des gorilles mordent? Les gorilles, c'est coup de poing, c'est ce jeu de... Exactement. Clé de bras, jeu de... Parce qu'eux, ils sont formés. Ils sont formés au combat. Je pense qu'ils doivent être formés à la lutte. Boxe thaï, boxe américaine, enfin bref, aïkido, karaté. Comment on me dit que ces gars-là mordent? C'est mystique. De toute manière, comme on dit, c'est la force du nombre. C'est la force du nombre. Et comme je le dis, si les juniors Zogo et les gars de la brigade, je ne sais pas quoi là, ils veulent venir, mais là, sur le coup, là, parce que là, Martin Tajo, je te dis, hein, tu nous as montré le chemin. Donc ça veut dire que là, c'est tuer pour tuer. Là, on va, là, c'est on meurt ou on vit. Donc, ceux qui vont se mettre en travers de nos routes, sachez que là où on va, là, il n'y a plus de négociation, il n'y a plus de parlotte, c'est on va, on va, on va. Que les gars soient prêts. Parce qu'on est non, pas là, franchement, je le dis, hein, préparez-vous, venez, jogging, tout ce qu'il faut. Parce que là où on va, là, c'est pas, voilà, mettez les jogging, mettez les baskets ou les rangers, ce que vous voulez. Préparez-vous, c'est samedi, tout le monde à Genève. Et ce que je voulais dire, Martin, c'est simplement que tu vois, le Cameroun de demain, c'est un Cameroun de gens qui, justement, sont prêts à tout. Et tu as montré que tu étais prêt à tout. Tu as montré que tu étais courageux. Tu as montré surtout que l'amour du pays avant tout. Mais Dre, je t'ai dit qu'à quelques secondes, on n'attrapait pas bien. Quand je suis entré, parce que les gars, ils nous ont dit que voilà l'ambassadeur qui vient d'entrer et ils sont en train de descendre. C'est-à-dire, dès que l'ambassadeur est entré, il devait être dans le protocole du peuple. Et il devait descendre ensemble avec Bancu.
Donc, dès que nous entrons, je suis parti directement vers l'ascenseur. Mais malheureusement, ils avaient déjà placé deux gars. Mais imagine, mais là, vous étiez 11. Imagine, vous étiez, je dis une connerie, imagine, vous étiez 100. Oui. Et bon, oui, 100 dans le sens où on gardait, on avait une arrière, Parce que si on était 100, on entrait au moment où ils avaient nous attraper. La stratégie a été très, très bien faite. Si on était 100, oui. Mais dans les 100, j'aurais toujours voulu que c'est aux 3 15 personnes qui fassent ce qu'on a fait. Parce que ce qu'on a fait, il n'y avait que. Si on était nombreux, ils allaient découvrir la stratégie. Non, mais sans. Mais on sera nombreux samedi. Si on fait une telle stratégie, c'est un peu déjà les premières vagues réussissent la stratégie. Et maintenant, les autres sont la base arrière. Ils entrent maintenant. Et là, maintenant, ils étaient finis. Tu vois un peu, ils étaient finis. Ouais. Non, mais c'est pour ça que samedi, il faut qu'on soit nombreux. Mais ce que je te dis, ils ont repoussé chez moi. Bancu, l'ambassadeur est pauvre, ils ont repoussé rapidement chez moi. Bah, le Jacques, nous sommes entrés. Ils ont compris que non, on connaissait là, on va prendre le problème. Ils ont compris qu'on connaissait là, on va prendre le problème. Bah, les gars disent seulement, mais c'est pas possible, ils sont là. Les gars sortent du coup. Merde. Putain. Merde. Il y a un gars. Il y a un gars qui a aussi. On a fait le rappel aussi comme moi, Djoko. Il va. En tout cas, s'il est là, hein, bon, aujourd'hui, s'ils sont là, ils peuvent intervenir. Non, en tout cas, je laisse la place. En tout cas, bravo. D'accord. Et en tout cas, je dis à tous les brigadiers, tous les résistants, et même les Africains qui supportent le Cameroun, parce que vous savez que le 18 mai, il n'y a pas eu que des Camerounais. Donc, si tu es Sénégalais, tu es Congolais, tu es Gabonais, tu as à cœur quand même la délivrance du Cameroun, tu es un frère, tu es bienvenu. Tous converger vers Genève, converger là-bas. Il faut qu'on soit des milliers et des milliers. On arrive sur eux comme des aigles, comme des aigles. OK, merci beaucoup, mon frère. De rien, c'est moi qui te remercie. Voilà, je vais prendre une autre personne. Hein. Je prends Calibri, je te prends. Oh bien, Calibri, je prends d'abord la générale Marcel. Après Marcel, je te prends Calibri. Et s'il y a, parmi ici, là, il y a les gars avec qui on était à Berlin, en Suisse déjà, certains gars là-bas, Suisse, ils sont déjà là, ils peuvent déjà faire. Ils peuvent m'envoyer la demande, je vais les inviter. Et voilà, au cas contraire, on va se prendre lundi à 18h en tout cas. Alors, la générale Marcel, ça a dû pour te prendre, je ne sais pas pourquoi. Hein. Je te reprends après, parce qu'il ne faut pas qu'on perde trop le temps. Je prends Calibri, Calibro. Je ne vois plus sa demande ou bien non, je vois. Si.